Aujourd'hui, on va essayer la saga Dragon Ball Super dans ce mode Dragon Ball Minecraft nommé Dragon Block. C'est le meilleur mode. Mais à un moment, c'est l'épisode 58000, vous devez le savoir. Donc, on a enfin débloqué le Super Saiyan God. Il n'y a plus qu'à apprendre à maîtriser cette forme pour éclater Beerus, Golden Freezer et tous les ennemis de Dragon Ball Super quand on pourra. Donc, avant toute chose, j'ai désappris le Kamehameha parce que j'aimerais apprendre une nouvelle technique. Bon, Vegeta, j'ai supprimé mon Kamehameha. Il était éclaté. Donne-moi, s'il te plaît. Le Final Flash. Quand ça 1008. J'ai pas 1008. Ok, très bien. Et ben, on va s'arranger. On va faire ça. Je vais faire un peu de mini-jeu très rapide. Oh non, en vrai, j'ai trop la flemme. C'est quoi? On va aller dans la salle de l'esprit du temps, comme il était prévu à l'origine. Et on va juste tabasser très vite fait. Et ça devrait être bon. Oh, d'accord, je suis déjà à 3000. Allez, c'est parti. Ok, là, on devrait avoir une belle attaque. Bien plus grande que mon Kamehameha et bien plus puissante. Vas-y, testons. Testons le... Ouh, les dégâts déjà me font très plaisir. Du 5000. Vas-y, let's go. Final Flash. Et il est toujours petit. Pourquoi toutes tes attaques sont petites? Ils ont réduit la taille depuis le dernier match. C'est pas possible. Bon, donc si on veut devenir super puissant, il nous faut plus de mind. Parce que là, je pense que j'en aurai pas assez pour tout maîtriser. Donc, va falloir XP. C'est reparti pour un tour. Paf, on met les points d'entraînement. On vise l'ennemi et on tabasse. On tabasse à main nue pendant 15 ans. Comme ça, on aura encore plus de PV pour affronter Beerus. Et petit bonus, si j'ai bien retenu un truc là précédemment, c'est que sa mère, non, je n'augmente plus jamais les points de dégâts. Je fais beaucoup trop mal avec la faux. C'est pas décent. Avec plus de points de mind, en plus de pouvoir apprendre plus de techniques, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir surtout avoir plus de points d'XP. Donc c'est vraiment OP, c'est pour ça. J'ai pas tant modifié le mode pour une fois. D'habitude, je mettais tout le temps plein de multiplicateurs d'XP dans les anciennes séries. Là, j'ai juste mis un x4 parce qu'au début, on va pas se le cacher, à la partir de la saga Cyborg, je commençais à plus XP du tout. C'était la galère, mais à part ce x4, et ben j'ai rien. Et même sans le x4, en vrai, je pense que à l'heure actuelle, j'aurais à peu près géré. Par contre, DBS, c'est que c'est très déséquilibré, donc je pense que le x4 va nous être utile. J'ai même pas pensé à mettre le x8 qu'on aurait dû avoir avec Boo, mais bon, c'est pas grave. On en a pas besoin pour l'instant, on le mettra si jamais vraiment c'est nécessaire. Et au-delà d'avoir du mind, l'objectif aussi, c'est d'avoir la constitution, parce que la constite, je l'ai déjà expliqué 47 fois, mais je le redis pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus lents que les autres, ça m'augmente ma barre d'endurance. Ce qui fait que là, quand j'ai plus d'endurance, et ben ça m'XP plus. Genre là j'ai plus d'endurance, je mets 3 points de dégâts et j'XP plus. Donc plus j'ai d'endurance, plus c'est bien. Et plus t'augmentes tes dégâts, plus tu perds d'endurance quand tu frappes. Donc là, vu que j'ai augmenté mes dégâts comme un débile, il y a peu de temps, et ben voilà, maintenant, j'ai quasiment plus d'endurance et c'est la galère d'XP. Alors que non, j'aurais jamais dû y toucher parce que la faute qui, elle me double mes dégâts sans aucune... Bref, c'est pas... Le mode est déséquilibré. Un jour, peut-être qu'on aura un bon mode. Il y a un mode en développement qui s'appelle Dragon Block V, j'en parlerai à un moment. Il est en développement, il sera sûrement mieux équilibré. Celui-là, il sera cool. Allez, petit mannequin, ça suffira pour aujourd'hui, je pense. Ça gère déjà la fougère, comme on dit. Ok, stop. Ouais, j'ai du point. J'ai augmenté aussi. J'ai encore augmenté mes points d'énergie. Parce que je veux faire des Final Flash géants. Écoutez, voilà, c'est ma seule justification. J'ai pas à me justifier. Et maintenant que je maîtrise 1000 Super Saiyan God, regardez, je suis quasiment à x2 ce qu'on avait avant. Si ce Final Flash est pas gigantesque avec 10 000 points de dégâts, je vous pète à la bouche. Non, ok, c'est bizarre. Non, pas sûr, vous avez rien demandé. Je chiale, voilà, littéralement. Let's go, Final Flash. Et le rayon commence à être un peu plus grand. Par contre, je me souviens que dans les anciennes versions du mode, le rayon était vraiment genre massif. Donc, bon, ça me fait un peu le seum. Peut-être qu'on peut modifier ça dans les options, c'est pas grave. Bon, on est prêt, je pense. Est-ce qu'on affronterait pas Beerus ici, tant qu'on y est? Pourquoi pas, vas-y, pourquoi pas. En plus, comme un débile, j'ai mis trop de points de mind. Donc, ça va nous faire bien XP, cette histoire. Bon, j'aimerais bien la journée avant. Attendez, pouvoir magique, la lune. Je vais l'intimider tellement fort qu'elle va disparaître et il va faire jour. Mais ça a marché, mais c'est incroyable. J'ai intimidé le temps lui-même. C'est... bon, alors, c'est parti pour Beerus. Donc, kill Beerus, ok, il est où? Je crois que j'aurais pas dû l'invoquer ici. Ouais, j'aurais pas dû l'invoquer en plein milieu des autres PNJ parce que je crois que soit il est là-dedans, soit il est bugué. Vas-y, on va chez Kaio, c'est pas grave. Attends, mais je peux l'invoquer chez Kaio au moins? Pas sûr, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Kaio, vite, non! Mais pourquoi j'ai pas le droit de l'affronter chez la planète de Kaio comme dans le vrai jeu? Ah, d'accord, j'ai compris. Je retourne en un endroit normal. J'aurais dû apprendre le potentiel éveillé aussi. Je le fais jamais. Et alors, le potentiel éveillé, c'est vrai, on pourrait l'apprendre pour le fun. Mais il y avait un bail, je sais pas si ça a été changé. Il y avait un bail où en fait le niveau de la transfo baissait tout seul au fil du temps. Et il était pas très fort en fait. Il était genre à peu près aussi fort qu'un Super Saiyan 3. Donc pas terrible. Je sais pas pourquoi c'était aussi bizarre. Ça a sûrement été changé et ça me sert plus à rien maintenant. Allez, Beerus,
Birusu. Et là maintenant je détecte son énergie, en plus j'aurais même limite plus besoin de mon mode. Eh attends, mais c'est vrai que Birus t'es bugué. Attends, j'ai oublié aussi ma faux de ki. Hop, faux de ki. Voilà, elle est belle, elle est chaude. Et il me fait pas si mal hein. En vrai je gère, en vrai. Bon, il me fait un peu mal. Et c'est vrai que j'ai pas de la viande illimitée. Il va falloir que je retourne sur Namek après pour la farm. Mais j'ai un peu la flemme. Donc c'est hors de question que tu me tues. Ok, là on fait attention. On fait un peu gaffe. Ouais, il m'est cher. Ok. Vous êtes prêts à claquer l'ultra final flash? J'ai tellement boosté mes stats virus, je vais faire un trou dans la stratosphère. TP toi. Parfait, parfait. Final flash! Let's go! Non, pas let's go! Pourquoi t'as avancé? Pourquoi? Il commence à être rapide aussi, les PNJ de ce moment-là. C'est le problème. Meurs. Ok, il est mort. Virus, ça a été géré. Mais comme on l'a vu, ça a été un peu compliqué quand même. Deviens Super Saiyan God. Je suis déjà Super Saiyan God, premièrement. Genre, je veux dire, est-ce que tu vois mon flow stratosphérique? Donc voilà. Étape suivante, c'est bien ce que je pensais. Ah, il faut re-affronter Virus. Donc là, c'était même pas le Virus full power. Ok, j'avoue, je manque un peu de PV là. Ok, je me suis peut-être un peu sous-estimé. On retourne à l'entraînement. Très peu. J'aimerais avoir au moins 20 000 PV. Allez, papa. Et n'empêche, je vous ai pas menti. Certes, avant, là, on a roulé sur tout l'arc sel et tout l'arc boue. Et je vous ai dit, DBS, ça va être violent. Et ben voilà. Exactement. Je pensais que j'étais tellement fumé, genre je pourrais limite one shot Kid Buu à mon niveau de puissance actuel. Mais non, Virus un peu fort. Et si on veut faire jusqu'à hit aujourd'hui, j'ai bien intérêt à XP un max. Tu sais, j'arrête pas de dire aujourd'hui et tout, et les gens qui vont regarder la potentielle vidéo condensée que je vais faire, où genre je mets tous les épisodes en un, ils vont rien capter. Voilà, si ça vous intrigue, j'essaie de faire ça maintenant. J'essaie de faire une série et après je condense tout en cutant encore plus de trucs inintéressants. Comme ce moment là, ça se trouve ça va être cut. En mode je cut tous les trucs chiants et je fais une maxi vidéo de genre 2 heures. Voilà, je sais pas si les formats longs ça vous intéressera en règle générale. J'ai bien envie d'en faire genre de 40 minutes, 1 heure, voire des trucs sur Minecraft. Mais je sais pas si ça vous intéresserait, mais en même temps j'ai bien envie de me diriger sur des formats longs, ça m'intéresse. Ouais, dites-moi ça en commentaire, parce que j'avoue qu'il y a des modpacks Minecraft, j'ai bien envie de les faire genre du début à la fin et de les faire genre en gros épisodes de 1 ou 2 heures. Peut-être pas 100 jours spécifiquement, mais au moins des modpacks que je peux faire genre à 100%, même si ça prend moins de 100 jours quoi. J'ai 20 000 PV et du coup là, oh attends, mais regarde, oh, mon endurance ça réduit tellement pas, je peux juste m'entraîner comme ça en autoclic pendant 15 ans, oh je régène bien. Et j'ai besoin d'encore plus de constitution. Si j'en ai encore plus, je pourrais vraiment XP sans jamais m'arrêter, ce serait génial. Mais ça n'arrivera pas. Et du coup, ce qui est aussi très très fun, quand tu level up la constitution, attendez, il me manque un tout petit peu de points, c'est regardez ma taille. Regardez, vous allez voir ce qui se passe. Là, je mets 100 points. Pouf! J'ai un tout petit peu grandi. J'ai un tout petit peu pris en taille. Avant, c'était plus vénère aussi, mais vu que maintenant le mode est un peu plus vénère au niveau des stats, bah ça grandit moins qu'avant. Mais au tout début, j'étais tout petit. Si on comparait ma taille de maintenant et ma taille du tout début, je serais genre peut-être 2 fois plus grand. Bon, peut-être pas, j'exagère. Attends, mais c'est dingue aussi. J'ai tellement monté mes stats que regardez, j'ai des poids qui pèsent 50 000. Genre mes poids sont... Ouais, mes poids sont à 50 000 avec la salle de l'esprit de temps. Et regardez, j'arrive vite def à bouger maintenant avec les poids. Je me déplace. Attends, c'est insane ça par contre. Ça, c'est réellement insane. Parce que je pensais pas que j'arriverais à bouger avec ces poids un jour et je commence à y arriver. Et je suis même pas encore ultra instinct ou ultra ego. Je crois que je me suis jamais autant entraîné parce qu'avec la constitution, au moins j'ai frappé. Ah ouais, là je suis bien. Là j'ai quasiment 30 000 PV, j'ai quasiment doublé. Et bah c'est parti. Virus, là je le sens bien. C'est un peu l'entraînement de Whis que je viens de faire là en fait. Je viens de faire l'entraînement pour devenir un dieu. Et tu sais quoi? On va prouver à Virus que je peux devenir un dieu. On va claquer 20 000 points. Et là maintenant, alors je suis toujours en god form, mais là maintenant, let's go, Super Saiyan Blue, let's go, on y est enfin. Ah bah Virus là, il va clairement pas faire le malin du tout. Attends par contre, attends, j'ai pas checké mes stats, 1440, j'ai transfo, je suis à 1400, ah mince, j'ai tellement maîtrisé mon Super Saiyan God qu'il est plus fort que mon Super Saiyan Blue, et en plus évidemment il consomme moins d'énergie. Ah ouais, donc actuellement mon Super Saiyan Blue en fait il pue la sauce. Est-ce que j'irai pas encore tabasser vite fait un mannequin pour ça? Non, vous savez quoi, c'est pas grave. On va y aller en blue, on s'en fiche. On va bien y arriver à la maîtriser nous aussi cette forme. Allez Virus, round numéro 2. Tu me fais quoi comme dégâts? Attends, mais tu me fais... Attends, oh non, il fait mal. Il fait quand même un peu mal, mais c'est juste j'ai tellement de PV maintenant. Vas-y, j'ai pas besoin de ma faux de ki. J'ai pas besoin de ma faux pour... Ok, si, j'ai peut-être besoin de ma faux parce que j'avoue que si je fais le malin... genre ouais, ok, il me fait pas très mal, blablabla. Mais ma viande, elle me fait régène probablement que 1000 PV. Et donc sur 28 000 c'est un peu éclaté en fait. Ok, on peut gagner n'empêche. Bon après Pius, je sais pas pourquoi t'es bugué comme ça, mais tu fais un peu pitié. Vas-y, en vrai je gagne. Eh frère, mais je suis devenu trop fort, c'est quoi ça? Genre en fait j'ai l'impression je suis... Vous voyez les vidéos scénario en mode et si Gohan s'était entraîné toute sa vie? En fait c'est moi, c'est mon scénario. C'est genre je me suis entraîné dans la salle de l'esprit du temps pendant 100 ans. J'en sors, je suis complètement fumé. Comment ça Kill Whis? Ah oui, c'est l'entraînement.
C'est l'entraînement de Whis. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent bizarre, mais écoutez, c'est parti. Ok, Whis, viens ici. Viens, viens. 82 000 PV. Attends, il fait combien de dégâts? Ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Et en plus, il se téléporte. En plus, ouais, ok. Là, Whis, il est chaud. Là, il est peut-être un peu trop chaud, même. Il va peut-être me péter la bouche. Ah ouais, ok, il est en train de me faire un peu mal. Final Flash, j'ai raté, j'ai fait Final Bull. Non, non, me tue pas, je mange un steak. Parfait, il m'a pas tué, pas encore, mais ça ne saurait tarder si ça continue. Allez, Whis, c'est l'heure de l'entraînement, c'est l'heure du battage de couilles. Et je l'ai battu, c'était une couille en fait, Whis. Je sais pas ce que je barre avec Win. Ah, et du coup, ça y est, on est à Fukatsu no F, comme on appelle, aussi nommé la résurrection du grand F. Voilà, c'est personne qui n'appelle ça comme ça. Bon, vous voulez voir un truc drôle? Vous voulez voir un truc très drôle même? Ok, est-ce que j'ai l'impression d'être à peu près aussi fort en SSG Blue qu'en God? Donc maintenant, ça va être parfait. On invoque les 30 soldats de Freezer. Et là... Oh, pardon, mauvaise technique. Et là... On leur lance le Genki-Dama de l'univers 7. On leur lance un truc qui devrait pouvoir me faire passer en Super Ultra Instinct. Qu'est-ce que je barre à Gwyn? Ok, j'y vois plus rien. Ok, ça devrait tous les one-shot, la vue à puissance que ça. Genki-Dama, let's go! Et ils sont tous morts, je crois. Oh non, ils sont pas morts! J'aurais dû le charger plus! J'ai fait le débile! Ok, ça faisait longtemps, mais je vais devoir sortir le Makanko-Sapo. Makanko-Sapo, hop, brochette. J'adore faire ça. J'adore vraiment quand il y a un paquet d'ennemis que tu peux juste tous leur foncer dedans. C'est trop satisfaisant. Final Flash! J'en ai touché qu'un seul. Bah, vous voyez, le Final Flash, il devrait pas marcher comme ça. Le Final Flash, il devrait transpercer et il devrait être gigantesque. Comme le Makanko-Sapo, mais en énorme. Un peu éclaté les techniques d'énergie. Je pense qu'ils les ont nerf en vrai. Parce qu'avant, je suis quasiment sûr qu'elle marchait mieux que ça. Oh, attends, c'est moi qui. Bah oui, c'est moi. Oh là là, mec. Oh, attends, mais mon jeu est vraiment en train d'exploser. C'est chaud depuis le dernier épisode. J'ai beaucoup de freeze depuis que je suis devenu ultra fort. C'est quand même impressionnant. Genre, je pourrais raser mon dojo en un seul Genki-Dama. Et ça, c'est inquiétant. Vous voyez, c'est pour ça que je vais plus au dojo depuis quelques temps. J'ai peur. Je suis effrayé. Ok, tout protect. Kill Shisami. C'est qui Shisami? Vas-y, on va skip jusqu'à Freezer. J'en ai rien à faire de ces vieux. Des vieux truands. Il est moins fort que Cell! Il fait pitié! Il est genre aussi fort que Dr. Gero! Il y a deux épisodes, tu m'aurais peut-être fait peur, mais là, je te fais peur, mais il pue! Et vous voyez, ce qui est beau, c'est que je suis quasiment sûr que Tagoma, là, enfin, et même les ennemis Dragon Ball Super, même Beerus, ils sont un peu déséquilibrés. Je crois qu'ils donnent pas plus d'XP que Dabra. Il me semble que vraiment, ça s'arrête à Dabra pour XP. À moins que ça ait été encore changé. Ok, kill Freezer. Furiza, ok, est-ce vraiment Freezer, tu m'avais manqué. Oh, sa mère, attends, il commence à 87 000 et je suis quasiment sûr qu'en plus il va se transfo en golden. Eh ben, on va tenter. Ok, cette fois, par contre, je dois sortir la faux. Je l'avais rangé pour que le combat soit à peu près équitable. Là, il sera pas équitable si je l'ai pas. Il sera pas équitable, mais pour moi. Vas-y, combat. Mais qu'est-ce que tu fais? Reviens, Freezer. Ah, ok, il m'a pris par surprise. J'ai fait une Goku, j'ai fait le malin, je me suis pris un Death Beam dans le boule. Dans le boule, je voulais dire dans le torse. Mais écoutez, mon esprit a voulu avouer mes vices les plus improbables. C'est vrai que j'avais dit que j'étais amoureux de Freezer il y a genre une heure de gameplay. Ça fait pas une... Oh, je sais pas, je m'en fous. Meurs. J'en ai marre d'essayer de parler. Oh, fuck. Oh, ah d'accord. Le frère a repoussé mon Final Flash avec son attaque. Genre, il m'a lancé juste une attaque random, il a fumé mon Final Flash. Allez, crève, ça dégage d'ici. J'en ai ras la casquette de toi, Freezer. Il était vraiment pas transfo. Donc là, c'est Golden Freezer, devient Super Saiyan Blue. Écoute, vous êtes vraiment 4 étapes en retard. Hein. L'histoire, c'est catastrophique. Et on va booster mon Final Flash parce que, à quel moment un Final Flash, c'est aussi pathétique? Vas-y, ça manque de jouer. Aucun rapport, désolé, je parle de ce qui me passe par la tête, mais ça me manque de jouer à ce mode avec des gens. Mais le problème, c'est que, genre avant, il y avait Zarachnos, mais maintenant, Zarachnos, déjà, il a plus de PC en ce moment, et en dehors de ça, il fait plus de vidéos. Donc, je me retrouve tout seul, et le seul pote qui pourrait être intéressé, de toute façon, il aura pas envie d'être en vidéo. Eh, c'est promis, si un jour j'ai genre 1 million d'abonnés, je fais une série comme ça, j'invite tous les youtubeurs que je connaîtrais à ce moment-là, on fera une giga collab sur Dragon Ball. Je les forcerai absolument à y jouer, j'en ai rien à faire. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Peut-être un jour, peut-être, ou peut-être jamais, mais j'espère que si quand même. Ce mode, c'est le mode qui m'a permis de commencer sur YouTube. Même si techniquement j'avais fait des trucs avant. C'est mon mode bref de tous les temps de Minecraft. T'as cru que j'allais pas forcer d'autres gens à le tester? T'as cru, Golden Freezer? Je sais pas pourquoi je te parle à toi, mais je m'en fiche. Hey, il tank? Ah bah oui, j'ai pas ma faux. Bien sûr, c'est pour ça qu'il tank. Ok, faux. Et là, je mets du 5K. Waouh, sa mère. J'ai tellement de défense. Et j'ai tellement de défense. C'est juste un combat de qui va mourir en premier. Et c'est pas moi qui mourra en premier. Frère, j'ai peut-être un peu abusé sur l'XP. Je suis peut-être devenu beaucoup trop fort en fait. Bon, et là on a le tournoi de l'univers 6. Cependant, je vais pas le faire ici, c'est hors de question.
nous allons aller maison au dojo. Ça m'avait manqué. J'aimerais bien faire le tournoi dans mon dojo, hein, si possible. Mais il détruirait tout. Donc, j'ai pas envie qu'il détruise mon beau dojo. Surtout que j'ai pas de backup de la map. Donc, si jamais le dojo est détruit, c'est terminé. Il y a plus de dojo. Et j'aimerais bien que ça n'arrive pas. Non, j'avais envie de le faire au Cell Games, le tournoi. J'ai failli lancer un Genkidama dans ma maison, là, quand même. Non, c'était un Final Flash. Ça aurait pas fait de dégâts, tout va bien. Vas-y, je suis désespéré. J'ai pas de la viande qui était partie cuire. C'est quoi, déjà, mon four? C'est 10 steaks, vraiment. Ouais, j'ai plus de bouffe. Et j'ai envie d'aller farmer sur Namek, mais alors du tout. Ah, mais il va faire nuit, on va pouvoir chiller un petit peu ici. Let's go. Je l'aime bien ce dojo, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas grand chose à faire sur Dragon Block en dehors des combats, parce que j'aimerais bien y passer plus... Tu sors d'où, toi? Pas important. J'aimerais bien y passer plus de temps, mais réalistiquement, j'ai rien à y faire, en fait. Mais bon, il y a, comme je l'ai dit, il y a Dragon Block V qui est en train d'être développé. Ça va être un gros, gros mode Dragon Ball, au point que... Mais un peu trop gros. Genre, les dernières updates dont ils ont parlé, ça fait, je crois, un an et demi qu'ils ont dit qu'il faut juste qu'on termine le combat. Et ça fait un an et demi qu'ils te mettent des updates qui n'ont aucun rapport. Genre, il y a un système de parcours, et ils ont mis des nouveaux établis, un système de cosmétiques. Des trucs qui n'ont rien à faire dans Dragon Ball, en soi. Mais justement, au moins, le mode sera massif, massif. Et si jamais il tourne bien, et qu'il tourne sur un serveur, et qu'il lag pas trop, ça peut grave être un banger. Mais il est en développement depuis si longtemps que je sais pas quand il sortira. Yo Cell, me revoilà, je sais pas comment t'as fait pour survivre. Tu peux m'apprendre des techniques d'ailleurs? Non, parce que je suis redevenu gentil, donc il veut plus rien m'apprendre. Et bah oui, c'était bête. Bon, Botamo, alors là ça devrait être... Et frère, t'as 33 000 PV. Je me mets à terre, juste pour toi je me mets à terre. Je désactive mon aura, comme ça je courrai moins vite. Et j'active pas ma faux non plus. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir du sport, Botamo. Allez, mais là, le sport, j'ai l'impression que t'es pas en train d'aimer le sport, là. J'ai l'impression que le sport de se faire tabasser, t'aimes pas trop kiffer ça. Ouais, effectivement. C'était pas trop du sport, en fait. C'était plus un échauffement pour moi, et encore. C'était un apéritif. C'était vraiment, il était éclaté. Allez, Frost, ça va être encore plus rapide parce que je crois qu'il est même pas transfo. 30 000! Ok, est-ce que je peux le tuer avant qu'il se transfo, ce petit nulos? Allez, Frost, transforme-toi. Oh, tu t'es transfo, c'est bien! J'étais en train de t'épargner, vraiment. Le final, le Manganko Sapo aurait été chargé, t'étais mort. T'as vraiment de la chance. Ah, tu recules. Oh, transformé. Bravo, Frost, bravo. Vraiment, tu t'es tellement transfo que t'as réussi à me faire quelques dégâts. Bravo, je veux vraiment impressionnant. Malheureusement pour toi, vas-y, hey, on va faire un truc. Si je sors du terrain, je me fais slash kill. Ok, s'ils arrivent à me faire sortir de ce ring, c'est slash kill et je meurs. Magueta, le robot, lui je l'aime bien. Et hey, il tank, hein. Il tank, hey, il fait même un peu mal. Attends, Magueta que j'ai un peu sous-estimé. Attends, j'ai pas de heal. Ok, je vais pas voler. On va pas s'autoriser à faire ça. Mais là je commence, oh là je commence à paniquer un petit peu. Magueta, on est potes, arrête s'il te plaît. J'adore les robots, j'adore. L'un de mes jeux préférés c'est Ratchet et Clank. Et Clank c'est un robot, stop, oh je suis dans la sauce. Ok je mange, ok j'avoue, j'ai menti. Je brise mes propres règles, là je battrai pas Magueta si j'active pas absolument tout. Tu m'impressionnes Magueta, pour un petit robot. Vraiment je m'attendais pas à grand chose. Et bah t'as dû me faire passer à ma pleine puissance. Vraiment je suis impressionné. Ok, j'aurais même pu les faire en Super Saiyan jusqu'ici. Attends, tu sais quoi, Kaba ou comment il s'appelle déjà en français? Peu importe, juste passer en Super Saiyan, juste pour toi. Ok, Kaba, let's go. Donc il est pas Super Saiyan au début, il a 30 000. Et en Super Saiyan, c'est presque un combat équitable. Incroyable. Alors ça, je l'aurais pas sous-estimé. Transforme-toi toi aussi, Kaba. Transforme-toi, montre-moi un peu toute la puissance des Saiyans. Allez, je suis qu'en Super Saiyan 1, je t'ai fait une fleur. Vraiment, je suis pas à fond, transforme-toi maintenant. Bon, je crois que c'est le round d'après où il se transforme, je pense. Hein. Allez hop, il est mort. Non, je ne peux pas. Bah oui, bah t'es mort, frérot. Allez, moi je prends un peu de steak, j'en ai besoin. Ah oui, il est Super Saiyan. Et là, 42 000, impressionnant. Oh, tu fais mal. Bravo, Kaba, encore une fois, presque un combat équitable. Malheureusement, ça ne l'était pas réellement, en fait. Ça n'a jamais été parce que j'étais fort. Eh, vous savez quoi? Attendez, j'ai fait une grave erreur. Pourquoi j'ai mon outfit BG alors que... Ah, je pourrais me mettre comme à l'ancienne. Non, pas du tout, j'ai menti, je veux un autre outfit. Et oui, vous l'avez deviné, je vais prendre le gi de Goku Dragon Ball Super. Et non, j'ai menti, je sais, j'étais prévisible, je mets tout le temps les gis de Goku, mais pas cette fois. Cette fois, je serai Vegeta parce que j'agis plus comme Vegeta que comme Goku. Et j'utilise plus le Final Flash que les techniques de Goku. Par contre, les bots qui sont dupliqués, là, j'apprécie pas. Et bien voilà, là, on est vraiment Vegeta. Là, j'aime bien, vas-y, on change. J'aime bien l'armure de Vegeta. Bon, hit, évidemment, là, va falloir passer un peu plus sérieux. Vas-y, on essaie de passer Super Saiyan 2. On va pas passer 3 parce que ça ne servira à rien. Est-ce que je le maîtrise, le SSJ2, d'ailleurs? Non, je l'ai jamais vraiment XP. Hit, ok, hit. Je pense que... Ouais, ok, là, en Super Saiyan 2, on voit bien, il est en train de me casser la bouche. D'accord. Je vois le problème. Dans ce cas, SS Blue? Non, SS God, d'abord. Non, je me suis passé à 0%. Non, j'ai pas fait exprès. Il va me tuer, j'ai pas de quoi me healer. Il va me tuer. Oh, il me fait mal. Il va super vite, en plus.
Il utilise le Tokitobashi comme... Oh, je suis mort. Je suis archi dead. Voilà, j'ai voulu faire le malin. Je suis même pas tombé dans le ravin, là. Il était tellement énorme, le ravin, je suis tombé dans le gouffre. Là, je suis tombé dans la crevasse. Voilà ce qui se passe quand tu te crois surpuissant. Mais bon, cette fois, on commencera, hop, en god directement. J'aurai plus de chance. Et après, en blue, ça devrait passer. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, vraiment. Je suis surexcité aujourd'hui. J'ai filmé 3 vidéos aujourd'hui. D'habitude, j'en fais qu'une ou deux. D'habitude, j'ai jamais la force. Là, j'étais trop motivé, mon frère. Dragon Block, ça me booste mentalement. C'est même pas une blague, vraiment. J'ai pas été aussi hypé depuis longtemps. Après, j'aime bien, vous me connaissez peut-être si vous regardez mes vidéos régulièrement. J'adore tout ce qui est chiffres, tout ce qui est augmentation de puissance. Donc là c'est que des statistiques. C'est que des chiffres, il y a des chiffres partout. Regardez, vous comprenez rien. Moi je comprends tout, chacun de ces chiffres je sais ce qu'il fait. Et j'adore ça, c'est pour ça je pense aussi que j'adore Dark Souls. En vrai j'aime trop me faire des builds bizarres dans Dark Souls. Je dis ça mais ça fait que 2 mois que je joue au Dark Souls. J'ai joué au 3 à sa sortie et j'ai échoué. Et là après j'ai tout recommencé il y a 2 mois et je suis tous en train de les faire. J'avais fait un portail du Nether ici, tiens quand ça. Allez on repart, allez arrêtez de brûler monsieur. Arrêtez, de toute façon, attends qu'est-ce qui se passe. Attends, il y a une dinguerie là, je rigole zéro. Il y a une dinguerie qui vient de se passer, regardez. J'ai une petite aura verte en haut à gauche et qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi je brûle encore, eh, stop, ah ouais, ok. Vous savez ce que ça veut dire. Là si je me mets juste Super Saiyan normal, regardez. Hop, je suis légendaire. Ça a très peu de chances d'arriver, je connais pas le pourcentage de base. Je crois que c'est un truc comme 10% par jour, ça peut arriver. Et donc là j'ai des stats, ah ouais je suis fort, je suis très fort. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans le mode, bah, comme quoi j'aurais redécouvert un truc. Et du coup je peux passer aussi évidemment Super Saiyan 2, je peux passer Super Saiyan 3, même si c'est un peu cursed, on va pas se le cacher. Je peux tout faire, je peux passer, j'ai pas essayé c'est vrai, mais je peux passer SSJ 4 God, il se passe un truc différent. Je crois pas hein, mais essayons. Ok, SSJ 4 God, bah j'ai une aura verte, mais sinon je suis en SSJ 4 plutôt classique en fait. Ok, ben ça me donne des gros boosts, ça c'est le seul truc qui me dérange un peu. Je sais pas si ça marche aussi en Super Saiyan God de donner des boosts, mais j'ai pas envie d'être aussi fort en fait, ça va juste me simplifier beaucoup trop le mode. Et voyons voir, God, ok, là je suis... J'ai l'impression d'être toujours aussi fort, j'ai l'impression que ça a pas trop changé. Limite en Super Saiyan légendaire, je suis quasiment aussi fort que quand je suis en Blue. Mais ça a l'air classique, j'ai pas l'impression d'être plus fort. Très bien, ok, parfait. Et malheureusement, il n'y a pas d'autres transformations avec le God, il n'y a pas genre la transformation de Kefla ou quoi, quoique techniquement c'est un peu ce que j'ai déjà vu que j'ai encore mes pupilles. Mais ouais, c'est un peu dommage, ils n'ont pas fait de trucs vraiment exotiques avec. Et normalement aussi, je sais plus exactement comment on fait, je crois qu'en étant méchant, on passe pas SSJ Blue direct. Je sais pas si on passe rosé en fait quand on est méchant, ou s'il faut, il me semble qu'il faut un kit divin. Et je sais pas comment on l'obtient le ki divin, c'est peut-être juste une commande. Donc on essaiera de faire ça, de passer en rosé, tiens, pourquoi pas. Mais d'abord il faut combattre Hit. Allez Hit, c'est parti, le combat final. Eh, je te mets des bons dégâts, hein. Eh là tout de suite, quand je suis à fond, quand je fais pas le malin, ça se passe beaucoup mieux. Par contre je vais quand même devoir manger de la viande, heureusement que j'en ai pris. Ok, est-ce que t'es prêt au God Final Flash. Là je me sens vraiment comme Vegeta, j'adore. Plus je vieillis, plus je commence à aimer Vegeta, plus que Goku. Et ça c'est beau, ça j'adore. Ok vas-y, approche, débile. Final Flash, let's go. Mais il m'a pris que, il a pris que 10 000. Il faut que j'augmente mes Kikoa, il faut que je les augmente de ouf. Ok ça peut le faire, Genkidama. Let's go, il est mort. Waouh, ok, il faut vraiment que j'arrête de sous-estimer le Genkidama parce que je vais détruire ma maison un jour. Mais j'ai complètement oublié de faire le principal contre 8, attends. J'ai complètement oublié ça. Le Kaioken Blue mon frère. Ben oui je l'ai complètement zappé. Ok, Kaioken x5 ça devrait suffire. Oh je vais l'exploser. Oh. ouais, j'ai sous-estimé le Kaioken Blue visiblement. Bon maintenant faut retrouver mon stuff là-dedans. C'est Beerus qui a fait ça. Je tiens quand même à me dédouaner. J'ai le seul Genkidama que j'ai lancé, je crois que c'était ici, même pas, je crois que c'était même pas dans ce biome là. Donc c'est Virus qui a tout détruit. Oh, j'adore ce mode juste pour ça. Le terrain était clean il y a 2 secondes, maintenant c'est un cratère. Je suis passé en méchant et malheureusement, non, j'ai toujours mon ki de SSJ Blue. Donc il doit y avoir une commande pour devenir divin, je vais la chercher, comme ça on pourra passer en SSJ Rosé. Oui, ça sert à rien, c'est juste cosmétique je crois, mais écoutez, ça sera stylé, j'ai envie d'essayer. Ok, donc Divine, je vous ai mis la commande dans le chat et je viens de me la mettre. Donc là, apparemment, j'ai le ki divin, mais je ne vois rien d'activé. On va essayer, ok, je passe Super Saiyan Blue et oh, ça a marché, je suis en Rosé. Voilà, et à quoi ça sert? Et bah comme je vous l'ai dit, à rien du tout.
C'est juste stylé. Et ça n'arrive pas naturellement d'après le wiki que j'ai trouvé. Donc c'est juste une commande, c'est juste un petit truc cosmétique qui est assez drôle en vrai. Je vais le garder pendant un petit moment, je sais pas combien de temps parce que j'aime bien le blue quand même. Mais en rosé, et en vrai je rends bien. En vrai je rends vachement bien. Est-ce qu'il y a la tenue de Goku Black dans le mode? Je me souviens pas. Allez dégage copie Vegeta, franchement on s'en tabasse de ton arc. J'ai tout skippé là, j'ai vraiment tout skippé. Time Ring. Blablabla. Ok super, on a enfin un Black Goku. J'ai skippé tous les arcs inintéressants parce qu'on s'en tabasse. Et de toute façon, j'avais pas besoin de plus de stats en fait. Je gérais déjà plutôt bien. Let's go. Il y a effectivement le gui de Black Goku. Et avec le texture pack, il est HD. Et ça c'est beau. Ça j'étais pas sûr que ça soit le cas. Mais ce texture pack est beaucoup plus récent que ce que j'utilise d'habitude. Donc toutes les nouvelles tenues qui avaient été rajoutées récemment sont en HD aussi. Et ça c'est beau. Donc là je suis magnifique. Voilà, là tout simplement, je suis super beau en fait. Vas-y, je vais rester comme ça un petit moment. J'ai un petit peu un cosplay de Black Goku. Dans un sens, c'est vrai qu'on pourrait croire que je suis Black Goku même. Et vas-y, hey, c'est bon, je vais le faire. C'est cosmétique, c'est juste cosmétique et ça rend trop bien. Il va vraiment falloir s'entraîner parce que là, je l'ai bien senti à copie Vegeta. Même copie Vegeta, j'ai commencé à galérer et j'ai dû manger un peu de viande et tout. Donc il va falloir retourner XP très rapidement. Et ça tombe bien parce que là, j'ai envie d'avoir du combat plus dur. Et je pense même qu'on va peut-être apprendre l'Ultra Instinct la prochaine fois. On va voir. Ce serait stylé d'avoir Ultra Instinct la prochaine fois et peut-être Ultra Ego après ou dans l'autre sens. Je sais pas, mais j'ai bien envie de l'apprendre tout de suite pour apprendre à le maîtriser d'ici tournoi du pouvoir.